Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ECLI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices and visions from across the continent. This year's theme is the cities we want. The cities we want. The cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 agenda vision, the Africa we want. It is a wonderful pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, safe and healthy, beacons of culture, unflinchingly modern, and adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through experimenting, learning, collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. À l'encre de mon sang, au papier de ma langue, à mes yeux qui tanguent lentement dans le vide, rêvant un jour de laisser des traces de regard sur les villes que nous voulons et imaginons au-delà des vers. Entre deux effluves, mon être crie utopie, mon cœur murmure héritage, mon âme, elle, chante avenir. De villes riches de leur multiplicité, multiples dans leur diversité, unique pluralité, nier hier, c'est avancer vers un demain déjà avorté. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire, laisser l'essence alerte et réagir. Entendre la cacophonie banalisée des inégalités sociétales criardes laissées en fond sonore, voir et questionner le décor. Bâtir et consentir à l'action qui sépare le rêve de la réalité. Sentir la fragrance vitale belle et verte, inévitable baume au cœur. Accepter notre responsabilité de léguer à nos enfants un monde en bonne santé. Démocratiser le goût, que plus aucun palais, d'aucune bouche, d'aucun enfant, d'aucun pays ne soit plus jamais sec. Démocratiser le goût des rêves, des voyages qui s'exécutent, quel que soit l'âge, le long des pages, au fil des chapitres, sur le pupitre de la connaissance, seul germe du choix. Toucher l'idée d'infrastructure qui marche allègrement sur le chemin de l'innovation. Enracinement, certes, mais ouverture dans ce village planétaire. Laisser l'essence alerte, mais surtout réagir. Hi everyone. Welcome. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance, donc avec les entrepreneurs, avec l'Afrique en leader de la transition. Je serai votre hôte cet après-midi. Avant de commencer, je voulais juste passer en revue quelques points.
Donc, notre session est en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit globe terrestre en bas de votre écran si vous souhaitez écouter la séance en français ou en anglais. Donc, ça peut être très précieux si jamais on a des intervenants qui souhaitent participer en français. Assurez-vous d'éteindre votre micro si jamais vous ne parlez pas. Ça permettra aux entrepreneurs ou à nos panélistes, mais également à nos interprètes qui ont vraiment besoin d'écouter ce qui est dit, d'avoir un son plus clair. Et enfin, je souhaiterais que cette séance soit aussi interactive que possible. Donc, on va surtout avoir du dialogue, des conversations, etc. Donc, n'hésitez pas à partager tout commentaire, toute question que vous auriez dans le chat. La séance d'aujourd'hui vise à montrer les entrepreneurs, en particulier ceux qui font partie de la partie est de l'Afrique. Donc, c'est un programme qui a été lancé sur 2 ans. Mais ça permet également d'entamer une discussion sur l'économie circulaire. Donc, en 2022, l'année dernière, à peu près à la même époque cette année, on a eu une autre séance lors du festival Rise Africa, où on a présenté les entrepreneurs. Donc, on a eu l'opportunité de les laisser présenter leurs activités. Et l'idée, c'était d'avoir des contributions du public pour voir ce qu'ils faisaient et essayer de trouver comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leurs affaires. Donc, c'est très intéressant de les réaccueillir à nouveau aujourd'hui pour voir comment a été cette démarche pour eux, et de voir les connexions entre les PME et l'économie circulaire et comment est-ce que les PME sont à la tête de la transition vers l'économie circulaire. Donc, on a fait beaucoup de recherches en Afrique, mais je pense que beaucoup de nos partenaires ont pu remarquer que ce sont des organisations qui travaillent sur le terrain, qui poussent vraiment à l'économie circulaire, et on essaye vraiment de créer un environnement favorable qui permet vraiment à l'économie circulaire de fleurir. Donc voilà, on a un panel absolument fantastique aujourd'hui. On a Christopher Proctor qui est photojournaliste. Elle nous a rejoint aujourd'hui. On voulait lancer les profils qu'on avait fait pour les entrepreneurs et on va l'entendre parler en fait de la démarche sur comment documenter en fait les histoires de ces entrepreneurs. On a également Sarah qui est directrice de la partie de Bioregional South Africa. Pardon. On a également un autre entrepreneur du même programme, Sibongile Mongadi, qui vient de Ukamba Prosthetic. On a également Murray Charter et un collègue supplémentaire qui n'a pas pu nous rejoindre, mais qui nous a envoyé une vidéo afin de partager ses contributions à notre programme. Donc, ça va être fantastique d'entendre parler de ces initiatives sur lesquelles elle travaille depuis l'année dernière. On a également un entrepreneur qui n'a pas fait partie du programme, mais qui a fait beaucoup de travail en ce qui concerne l'économie circulaire et qui a beaucoup de choses à nous partager par rapport à son expérience sur ce genre de programme et être en tête d'une activité liée à l'économie circulaire. Donc, on a Imka Singh avec nous. On a également des personnes qui sont avec nous dans cette démarche et qui sont en contact avec les entrepreneurs. On aura Johanna Pengham qui faisait partie de l'équipe qui a aidé les entrepreneurs dans les programmes d'incubation, donc qui ont aidé à développer ce qu'on a partagé avec les entrepreneurs grâce à un système de mentorat. Elle nous rejoint de Footprints Africa. On a également Catherine qui nous a rejoint l'année dernière, qui faisait partie du panel de juges pour la compétition qu'on avait tenue. Donc, ce serait fantastique d'avoir ses impressions également, puisqu'elle nous a fait des contributions très importantes.
l'année dernière. Avant de passer à la conversation, je voulais juste vous donner des informations sur notre organisation. Donc, on a ce programme d'incubation, mais je ne vous ai pas vraiment expliqué en quoi consistait le programme. Donc, SAFRICA, c'est un projet qui vise à accélérer l'économie circulaire en Afrique afin de soutenir vraiment donc, l'économie circulaire et les entrepreneurs en Afrique qui travaillent dans les secteurs alimentaires, de la santé et des changements climatiques. Donc, ça a été un projet qui a été mené et mis en place par Eclé Africa avec un laboratoire de diversité qui a été financé par l'ambassade de Finlande en Afrique du Sud. Et on travaille avec le réseau de l'économie circulaire au niveau de différents composants. Donc, ce projet a été implémenté en 3 phases. Sur la première phase, on s'est focalisé sur essayer d'élargir notre compréhension de l'économie circulaire en Afrique. Ça a été fait en identifiant les entrepreneurs qui faisaient partie de l'économie circulaire ou qui seraient intéressés par l'économie circulaire, voir comment est-ce qu'ils démarraient en fait, cette démarche. Grâce à ce programme, ils sont passés par un programme d'incubation. On a pu partager certains outils par rapport à la mise en échelle de leur fonction d'entrepreneur avec une perspective également d'économie circulaire. Et ça a été fait grâce avec deux équipes différentes, deux cohortes différentes, donc une sur le projet et une l'année dernière, à peu près à la même époque, lorsqu'on avait la séance 2022 Rise Africa. La deuxième phase du projet se focalisait sur le renforcement de l'économie circulaire et ça a été fait grâce à des séances qui ont été accueillies de manière virtuelle où on a rassemblé différentes parties prenantes qui avaient des perspectives en ce qui concerne l'économie circulaire et qui ont pu nous parler d'un certain nombre de sujets, que ce soit la chaîne des valeurs, les financements, les différents secteurs impactés, etc. Enfin, la dernière étape était de documenter vraiment cette démarche des entrepreneurs, mais également obtenir les contributions liées à ce programme. Donc, le produit clé, c'était vraiment le renforcement des capacités sous forme de... On soutenu donc ces deux cohortes d'entrepreneurs grâce à notre programme. On a créé également 2 catalogues pour l'économie circulaire et les entrepreneurs avec des idées d'économie circulaire pour les entrepreneurs et avec les gouvernements locaux. Ça a été fait grâce à une campagne qui s'appelait La Circularité et qui a été faite de manière spécifique afin de partager des idées que les nouveaux business pourraient incorporer dans les activités et dans leur structure d'activité. Enfin, la dernière chose qu'on avait fait, c'était de rassembler les apprentissages qui avaient découlé de ces différents travaux et d'établir un guide pour les gouvernements locaux, donc les 10 recommandations pour les gouvernements locaux afin de soutenir l'économie circulaire pour les entreprises locales. Donc, ça a été très important. Ça nous a permis de rassembler les idées à un seul endroit pour partager cela aux personnes qui peuvent vraiment créer des environnements favorables pour les PME. Donc, on a vraiment voulu créer ce système de soutien pour les différents secteurs et la connexion avec les gouvernements locaux et les entrepreneurs pourrait être très utile pour vraiment mettre à l'échelle ces entreprises. Donc, le projet identifiait les besoins liés à l'économie circulaire et les différents défis qu'il est nécessaire de régler pour permettre à l'économie circulaire de bien se porter. On a trouvé un certain nombre de choses. On a besoin d'une plateforme pour que les différentes parties prenantes puissent apprendre les uns des autres. Il fallait également investir dans un accès ouvert aux données. On s'est rendu compte de la valeur de mesurer certains éléments pour l'économie circulaire. On en parlera un peu plus tard. On avait également le besoin de critiquer le rôle et l'accès aux finances, entre autres, et on voulait avoir d'autres contributions, d'autres aperçus par rapport à ces ressources. Et on va vous envoyer un lien dans le chat pour vous envoyer vers la page et pour vous permettre de consulter les profils des entreprises avec lesquelles on avait été impliqués. Je voulais également
passer en revue donc ces profils rapidement. On va ensuite passer à la conversation avec Chris sur les entrepreneurs et leur démarche. Mais afin de lancer la conversation, je voulais en fait vous présenter les 17 entreprises qu'on a pu vraiment présenter grâce à ce programme. Donc, on a ici une vue d'ensemble de chaque entreprise avec lesquelles on a été impliqué, en commençant avec une des premières organisations qui s'appelle Aquagel. Donc Clayton Postma nous a rejoint. Il a une activité qui vend des produits agricoles qui vise à équilibrer les nutriments contenus dans la terre et dans l'eau afin d'empêcher les gaspillages d'eau dans l'agriculture. On a également Botumelon Catlo qui nous a rejoint de BN Aqua Solutions. Donc, son activité concerne le traitement des eaux, en se focalisant en particulier sur les endroits avec de l'acide lié aux activités minières. Et en fait, à la purification de l'eau, on avait une autre entreprise, Cofizen, représentée par Alex Ralston, qui a partagé avec nous des idées sur l'innovation. Donc, beaucoup d'entre nous apprécient de boire du café et ils essaient de voir comment réduire les déchets par rapport au café, au contenu lié au café. Ensuite, Jason Samuels de Green Extension Engineering, lui, aide à construire des organisations à avoir une optimisation énergétique. Et il vise en particulier des écoles, donc on voit cet impact social également dans le travail qu'il fait. On a également Qdoty Solutions avec nous, donc qui est une plateforme de données qui numérique. C'est des opérations liées aux déchets et qui aident à quantifier les efforts de durabilité ainsi que ses acteurs. On a également Mangaou Animal Feeds avec Matome Matalane qui a une entreprise qui se focalise sur les produits déchets qui viennent de l'agriculture. Donc, il produit de la nourriture pour les animaux, etc. Et grâce aux déchets de l'agriculture, on a également Rosely Sipanda qui vient d'Organic Waste to Energy. Donc, son entreprise vise à réduire le nombre de déchets alimentaires qui sont jetés dans les décharges et son entreprise vise à transformer ces déchets en énergie. On a également PWK Waste Management and Recycling présenté par Suzanne Kone, qui a une activité de recyclage. On a Sista Sista également, avec deux entrepreneurs, Jane Hugo et Liz Marie Hugo, qui prennent des déchets plastiques, des bouteilles plastiques et qui créent des briques écologiques. On a également Smart Eco Highway, donc ça a été une des entreprises qui n'était pas basée en Afrique du Sud, mais à Ouagadougou, Burkina Faso, présentée par Yvon. Son entreprise est une start-up de technologie qui est basée au Burkina Faso et travaille sur un appareil qui permet de récolter l'énergie kinétique sur la route, donc vraiment les mouvements des véhicules sur les routes. On avait également SolarCool qui apporte une solution pour réduire les déchets, les gaspillages alimentaires avec un système basé sur l'énergie solaire. On avait Tamu by Jane, donc qui vise à créer de la nourriture avec vraiment des produits alimentaires indigènes à une zone géographique, en essayant de sensibiliser sur des aliments qui sont durables. On a également West Wales avec Brendan Fisser, Jaco Duploy et Mark Gibson. Ils ont une application qui fait du recyclage à un jeu. On a également Men2Be
avec Drini Bottas qui se focalise sur l'apiculture. Elle a fait une connexion entre les abeilles et l'économie circulaire et le rôle qu'elle joue dans ce système. On a également Sarah Alsen qui nous a rejoint aujourd'hui, qui vient de Bioregional South Africa. On en parlera un peu plus tard. On a également Murray Charter de Viro Solutions, une entreprise d'emballage, il nous parlera de son entreprise. On a aussi Bongile Mogadi de Ukuamba Prosthetics qui parlera de comment est-ce qu'ils font des prothèses grâce à du plastique recyclé. Donc voilà les activités clés, les entreprises clés qui nous ont rejoints. Donc, sans plus attendre, je vais demander à Chris de nous partager, en fait, de nous expliquer la démarche qu'elle a effectuée pour essayer de capturer les histoires de ces entrepreneurs fantastiques. Chris, allez-y, présentez-vous tout d'abord et expliquez-nous quelle a été votre expérience, comment est-ce que vous avez vraiment pu capturer les histoires de ces entrepreneurs, qu'est-ce qui était le plus intéressant et qu'est-ce que vous avez apprécié plus particulièrement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran. Okay. Good. Hi. Bonjour. Donc, tout d'abord, je voulais remercier Clip pour me donner l'opportunité de parler aujourd'hui, de prendre part à la discussion et merci de m'avoir donné l'opportunité de documenter ces histoires fantastiques. Merci beaucoup aux entrepreneurs. Ce genre de travail n'aurait pas pu être fait sans votre temps, vos efforts. Et merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié vos histoires. Donc, cela étant dit, on va pouvoir commencer. Donc, je m'appelle Chris. Je suis photojournaliste. On se surnomme parfois des narrateurs visuels ou des journalistes basés sur les lentilles d'appareils photo. Donc, on utilise vraiment la photo pour transmettre des informations au public. Je suis là donc pour le public, pour les personnes qui, par exemple, n'ont aucune idée sur des sujets très détaillés. Et en fait, j'essaye d'expliquer des concepts parfois difficiles pour des gens comme moi-même. Et j'essaie de montrer un peu ça, pourquoi c'est important en fait. Donc, au niveau des instructions, on devait créer des profils avec un composant visuel. On devait documenter chacun de ces entrepreneurs. Donc, on devait établir une description de leurs entreprises. Comment est-ce que ça s'inscrit dans notre idée de transition circulaire? Donc, le projet n'a pas été l'effort d'une seule personne, hein, bien entendu. On avait beaucoup de personnes impliquées qui m'ont aidé. Donc, l'agence éthique a fait un travail fantastique. Un certain nombre de photographes de la région. Les entrepreneurs étaient vraiment un peu de partout, donc ça ne faisait pas. En fait, je n'aurais pas pu voler dans chaque province, dans chaque pays pour documenter les choses. Donc, je devais également trouver des photographes avec un style adapté et qui comprendraient vraiment comment transmettre ce genre d'informations. Donc, je les ai briefés et on a établi des concepts ensemble pour établir les meilleures manières d'illustrer le travail de ces entrepreneurs. Donc, voilà les crédits. Alors, qu'est-ce qui fait que ces histoires sont source d'inspiration? Donc, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir un accès très proche. J'ai pu vraiment parler à ces entrepreneurs et voir ce qu'ils faisaient. Et donc, ma tâche principale, c'était de trouver pourquoi ce qu'ils font est important. Et dans ce processus, j'ai tellement appris. J'ai appris beaucoup plus que ce que je pensais. Non seulement au niveau du rôle de ces entrepreneurs, mais de mon rôle. Parce que au niveau de ces histoires,
En fait, les histoires qui montrent ce qu'ils font de bien montrent ce que nous, on a fait de mal, en fait, par rapport aux déchets, etc. Et on voit que c'est vraiment quelque chose de très néfaste dans l'ensemble des aspects de nos vies. La première entrepreneur que j'ai rencontrée, c'était Mary. J'espère qu'on en entendra plus de sa part un peu plus tard. Et ça a commencé le processus vraiment dans mon cerveau. Vraiment, mon monde a été mis à l'envers. J'ai commencé à avoir une perspective complètement différente. Toutes les choses que je voyais dans ma maison, dans les magasins, un paquet n'était plus un paquet. C'était vraiment quelque chose qui durait une fois qu'on l'avait jeté. Pour moi, le chocolat, ce n'était plus quelque chose que je pouvais manger et jeter. Il y avait vraiment la responsabilité liée à ces matériaux qui ont été tirés donc, de la terre pour créer cet emballage. Donc voilà, merci d'avoir étendu ma vue du monde. Je suis vraiment très reconnaissante. Ma perspective a complètement changé. Donc, cette expérience a été très intense. L'économie circulaire, ça paraît être quelque chose d'énorme, mais ce qui m'a vraiment inspirée, vraiment, c'était, même si cette tâche de changer l'économie est énorme, on a toujours ces entrepreneurs qui découvrent des meilleures manières de faire. Et donc, ça m'a donné beaucoup d'espoir en écoutant ces idées très innovantes. J'ai dû parler également des défis liés à la documentation de ces entrepreneurs. Et un point intéressant, c'était qu'au niveau des activités quotidiennes, donc moi, je devais vraiment enregistrer la réalité. Mais la réalité, quand on est à la tête d'une entreprise, eh ben, la personne est juste derrière un ordinateur. On ne peut pas en dire beaucoup en regardant juste le type d'ordinateur qu'ils utilisent. Donc vraiment, la tâche qu'on a dû faire, c'est essayer de trouver des manières de trouver des manières innovantes de montrer les entrepreneurs au travail. Donc par exemple, on a vu l'application mobile qu'on a vue un peu plus tôt dans la présentation. Je l'ai emmenée sur sur le toit d'un immeuble pour vraiment illustrer en fait cette idée, l'interaction avec la ville en fond, etc. Au Burkina Faso, David, le photographe, a photographié l'entrepreneur en train de travailler devant son ordinateur et devant la route dont il espérait tirer de l'énergie, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on a décidé de fonctionner. Je suis très fière d'avoir fait partie de cette démarche et d'avoir pu obtenir ces aperçus que j'ai eu grâce à ce projet. Et pour cela, je vous remercie. Merci, Chris. Alors, d'après ce que vous dites, pour moi, une chose que je retiens en termes des défis, c'était qu'il ne fallait pas seulement trouver le bon espace pour capturer l'histoire, puisque les gens travaillent principalement sur leur téléphone, etc. Mais c'était vraiment essayer de simplifier ce qu'était l'économie circulaire. Donc, je pense que pour celles d'entre nous qui travaillent déjà avec ça, on comprend ce que ça veut dire construire l'économie circulaire. Mais même lorsqu'on essaye d'identifier des entreprises circulaires, on a toujours ces questions. Est-ce que c'est complètement circulaire? Quel est le point de qualification? Est-ce qu'on a juste un seul composant de la circularité, etc.? Donc, je pense que ce que vos histoires ont pu montrer, c'est que en capturant les histoires de ces entreprises, vous nous permettez de comprendre les impacts de ces entreprises. Et ça simplifie ce que signifie l'économie circulaire, parce que tout paraît énorme. Et il faut vraiment essayer de faire en sorte que tout soit très facilement compréhensible. Et ce que j'ai aimé de ces profils, c'était que n'importe qui pouvait comprendre. Quelqu'un qui est dans l'économie circulaire peut comprendre ce qui a été dit, et quelqu'un qui n'a aucune idée
peut vraiment déjà comprendre et comprendre vraiment l'essence de chacune de ces entreprises. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir capturé ces démarches. Merci d'avoir partagé également ce qui a fait de vraiment une source d'inspiration. Vous nous avez dit que votre mode de vie avait changé, que vous voyez les choses de manière différente. Le papier n'est plus du papier. Vous faites vraiment la connexion entre le fait que si vous recyclez ça, ça peut être retourné, par exemple, dans un écosystème. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à partager avec nous. Non, c'est tout de ma part. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci d'avoir partagé vos aperçus. Et j'espère qu'on pourra revenir sur ces actifs si clés qui ont été créés pour les entreprises, mais pour également la connaissance liée à l'économie circulaire à travers le continent. Alors, je vais maintenant inclure nos entrepreneurs dans la conversation. Et on va commencer avec Sarah Alsen, qui est la directrice exécutive de Bioregional South Africa. Donc, Sarah, je voudrais savoir ce que vous faites. Et parlez-nous un petit peu de Bioregional. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai éteint ma caméra. Je m'excuse parce que mon Internet est un petit peu instable. J'espère que ça ira. J'essaierai. Je peux peut-être essayer de rallumer ma caméra et voir. Donc, Bioregional South Africa, c'est une ONG environnementale. À travers les années, on a établi un cadre de 10 principes qui constituent une approche de développement durable la plus holistique possible et qui vise à vraiment opérationnaliser les ODD, puisque ces principes sont déjà facile à comprendre par toutes et tous, et pas seulement les gens qui travaillent dans les questions environnementales, qui ont pu apprendre, étudier le changement climatique. Mais bon, dans le cadre de mon travail, avec ce cadre en tant qu'outil, pour que les organisations puissent créer des plans avec des objectifs identifiables, des mesures, des indicateurs de progrès, j'ai eu l'opportunité l'année dernière de me salir un petit peu les mains et de travailler sur des projets vraiment sur le terrain. Après la pandémie, ça a été très pertinent, bien entendu, parce que le monde avait complètement changé. Et j'étais impliquée dans le soutien d'un jardin local qui avait été commencé par quelqu'un d'Urban pendant la pandémie. Et on s'est rendu compte que le jardin se détériorait et je voulais voir ce qui s'était passé. Et on m'a dit, on ne sait pas comment faire pousser des aliments parce que les gens qui avaient commencé le jardin sont partis. Et eux, ils ne savaient pas comment continuer à jardiner. Et pour moi, ça a été vraiment une bonne opportunité. La nourriture dans un environnement urbain, je trouvais ça très bien. J'ai pu donc faire un peu de financement, j'ai pu employer un mentor en permaculture, un formateur en permaculture pour vraiment enseigner comment faire pousser la nourriture de la manière la plus biologique possible. Et au niveau du travail sur les économies locales, on a vu qu'en soutenant les jardins locaux, mais pour vraiment faire en sorte que ces jardins soient maintenus, ils ont besoin de différentes choses, de compost par exemple. Et j'ai vu une opportunité parce que ce jardin était juste derrière un très bel hôtel à Durban et on pouvait utiliser les déchets organiques de cet hôtel pour créer notre compost. On avait également un complexe sportif à côté avec beaucoup de déchets organiques de leur jardin. Donc en 2022, on a commencé à faire du compost. Et ça a été le début du projet de compost. Merci beaucoup, Sarah. C'est une démarche très intéressante par laquelle vous êtes passée. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus concernant la connexion entre commencer ce travail et découvrir le programme ACE Africa?
Comment est-ce que vous avez inclus ce processus d'incubation pour renforcer le travail que vous faisiez déjà avec cette entreprise pour le compost? Alors, une partie de ce que notre modèle fait la promotion, c'est la façon dont gérer plusieurs économies. Pas forcément avec un modèle opérationnel où je suis directrice, où les actionnaires, les employés s'enrichissent, etc. Non, comment est-ce qu'on peut avoir un nouveau modèle économique en créant plus d'opportunités pour des micro-entreprises, donc faire pousser de la nourriture, créer du compost, etc. Si on a un réseau de jardins, est-ce qu'on peut avoir un réseau de compost urbain, etc. Et en fait, début 2022, ça a coïncidé avec un mail que j'avais reçu en me demandant si je voulais faire partie du programme d'incubation. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée. Et c'était absolument fantastique. Ça a été également une démarche intéressante dans la phase d'incubation parce que je m'occupe d'une NPO, ce qui est toujours très différent d'une entreprise, vraiment. Donc, ça a pris une direction un peu différente au niveau de l'entreprise de compost. Donc, elle a été formulée en tant qu'entreprise. Mais en termes de... On a pu avoir un deuxième jardin avec une autre installation de compost. On a un troisième jardin qui va être lancé et un autre site municipal dans le centre de Durban. Donc, ce qui s'est passé depuis que j'ai préparé au programme, je suis parvenue à ajouter trois sites au site original. Et on peut vraiment concrétiser ce projet de compost urbain. Et je crois que l'année prochaine, désolé de vous décevoir, mais ça va être vraiment la partie intéressante. C'est là où on va pouvoir commencer à mettre à l'échelle cette activité de compostage et ça va nous... On a dû vraiment convaincre l'hôtel, on leur a dit que notre méthodologie fonctionnait. Donc, on fait des collectes une fois par jour dans un hôtel, on est passé à 5 jours par semaine et on va ajouter 3 autres hôtels qui font partie de la promenade d'Urban. Donc, vraiment très près du jardin. Donc, on insiste sur comment faire en sorte que ces économies soient aussi localisées que possible dans l'espoir d'aider l'entreprise à être durable. On sait qu'avec beaucoup de projets liés aux déchets, il y a toujours un problème par rapport au transport, par exemple. Vous savez, transporter les déchets d'un endroit à un autre, c'est quelque chose de très cher à cause des prix du carburant. Mais bon, je ne vais pas trop m'étendre, mais voilà où on en est à l'heure d'aujourd'hui. Donc, au niveau des jardins, le jardin à Sonsonka gagnait 2 000 en vente et maintenant entre 6 et 7 000. Donc, ça permet de maintenir des gens sans-abri qui ont maintenant des comptes en banque, etc. On a pu impliquer des étudiants en horticulture qui ont pu nous aider à embellir le site, qui apportaient leurs connaissances liées à la fabrication de compost. On a reçu des étudiants. Donc, il y a vraiment des opportunités. Grâce à ces pôles urbains, ça peut permettre de créer de l'apprentissage et des opportunités. Le deuxième jardin qui a été lancé en octobre, donc sur un site municipal qui n'était pas bien utilisé, on n'a toujours pas de robinet d'ailleurs parce que c'est très difficile de travailler avec la municipalité. Mais donc, on a pu créer 2 emplois pour 2 personnes qui étaient au chômage.
Et même si on a juste un réservoir, on n'a pas beaucoup planté au début. Et on a fait des revenus de 3 000. Ces jardins ont permis de créer une source de revenus pour 5 personnes, permettre de fournir de la nourriture à des magasins, des hôtels ou des foyers locaux. Et en fait, ça montre vraiment l'économie parce que maintenant, on a ces hôtels qui nous fournissent des déchets alimentaires qui ensuite nous rachètent des fruits et légumes que l'on fait pousser. Donc, on voit vraiment cet aspect circulaire. C'est un vrai projet d'économie circulaire. Et ça a été un angle auquel je ne m'attendais pas. Et vraiment, les jardins ont été très bien reçus. On en a un autre à venir. Et c'est important parce qu'on a maintenant plus de sites pour créer du compost. Ce serait intéressant de voir une fois qu'on lancera la conversation avec Imkar qui travaille également avec le compost, mais avec un modèle complètement différent. Et je voulais juste mentionner que oui, vous entrez dans la phase la plus intéressante de votre démarche, mais c'est important de partager ça parce que vous montrez vraiment cette progression, cette croissance que vous avez vue et l'impact qui a été créé. Donc, on ne peut qu'espérer que même si on était dans la phase d'incubation, on a eu une accélération sur 8 semaines. On avait 2 heures de séance chaque semaine avec des séances de mentorat et ça montre vraiment l'impact de même un petit processus que même une petite entreprise peut faire l'expérience. Donc, merci. On espère vraiment en entendre plus de votre part à l'avenir. Mais je vais maintenant donner la parole à notre prochain entrepreneur. Donc, on s'éloigne un petit peu du secteur alimentaire sur voir comment est-ce qu'on peut recycler les déchets plastiques. Donc, Sibongile, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites et quelle a été votre expérience avec le programme Ace Africa? Avec ce programme donc d'incubation et mentorat. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bongile Mongadi. Je m'occupe de la société prosthétique. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine de l'ingénierie et de la science. Donc, pour moi, ça a été vraiment une opportunité de changer le statu quo et d'essayer de changer la narrative. Parce que d'après mon expérience personnelle, moi, je ne sais pas ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui a un handicap physique, qui vit sans accès à la mobilité. Mais lorsque j'ai visité un des hôpitaux locaux, une personne amputée n'a pas pu avoir accès à une prothèse. Et du coup, je me suis dit, et si ça se passait pour moi ou pour un de mes proches? Donc, j'ai vraiment essayé de comprendre le problème et j'ai pu comprendre quels étaient les défis auxquels il faisait face, auxquels le secteur de la santé faisait face. Et à partir de ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas utiliser mes études d'ingénierie? Et j'ai été financée. Donc, je produis des prosthétiques à bas coût pour les gens les plus vulnérables vivant en situation de handicap. On fait cela grâce à une technologie avancée. Donc, pour réduire le temps d'attente des prothèses, on gagne du temps grâce à notre technologie. On a un aspect manufacture et production également. Merci beaucoup, Sangile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez appris
Comment est-ce que vous avez incorporé certaines des choses que vous avez apprises dans votre entreprise de prothèses? Est-ce qu'il manquait quelque chose? Est-ce que ça a été difficile? Alors, le programme de mentorat, m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu en apprendre plus sur l'économie circulaire pour faire en sorte que tout soit plus abordable donc pour les gens, pour les locaux, en essayant de trouver quel autre type de matériel qu'on pourrait utiliser également. Donc, on utilisait des matériels respectueux de l'environnement pour nos prothèses. On utilise des matériaux également qui sont issus du recyclage. Mais on est allé plus loin. On a réfléchi à un autre business model pour voir comment est-ce qu'on pouvait être plus stratégique. On a trouvé quelles étaient les difficultés pour l'accès à la prothèse. Qu'est-ce qui se passait avec les prothèses qui ne sont plus utilisées? Est-ce qu'elles sont données? Est-ce qu'elles sont jetées? Est-ce qu'elles sont données à d'autres organisations? Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire une économie circulaire en recyclant les prothèses, vraiment. Donc, au lieu de jeter les prothèses, par exemple, vous savez, les enfants changent de prothèse tous les 6 mois parce qu'ils grandissent. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces prothèses pour nos clients? Par exemple, vous avez payé un tel montant et vous avez accès à cette prothèse. Après 6 mois, votre enfant est trop grand, vous devez utiliser une autre prothèse. Je ne vais pas vous redemander de l'argent. Donc, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait régénérer des nouvelles prothèses, comment est-ce qu'on pouvait être plus économique. Parce qu'on a un certain nombre d'enfants impactés, en fait, qui n'avaient pas accès à l'éducation parce qu'il n'y avait pas cette question de mobilité. Donc, vous imaginez que les parents ne vont pas non plus pouvoir avoir accès à ces prothèses. Oui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous êtes également passé par ce processus d'essayer de trouver ces connexions, comment bénéficier de ce qui existe déjà dans votre industrie pour l'incorporer dans votre modèle. Et c'est très avantageux de montrer comment les principes d'économie circulaire peuvent être appliqués pour renforcer votre modèle opérationnel. Donc, je vois dans le chat, Kamkar a dit qu'il voulait en savoir plus. Il voulait avoir vos coordonnées ou le lien vers le site Internet pour qu'on puisse en apprendre plus. Mais c'est un travail fantastique que vous faites et merci beaucoup d'avoir fait part de votre expérience avec nous. Je vais donner la parole à notre troisième entrepreneur, Mary Charter. Mary, est-ce que vous pouvez nous rejoindre et nous expliquer, vous présenter un petit peu et nous parler de votre entreprise? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Simon Gillis, c'était fantastique. J'ai adoré votre présentation. J'ai adoré ce que vous faites. C'est absolument fantastique. Donc, je suis Mary. Je suis fondateur de Virus Solutions, donc une entreprise d'emballage durable basée au Cap. Donc, on couvre les cafés, les restaurants, etc. pour tout ce qui est emballage de nourriture à emporter. Les écoles, etc. Donc, un peu partout où on a une solution donc à emporter, entre guillemets. Notre mandat de durabilité, c'est vraiment pour but de réduire le nombre d'emballages qui vont en décharge. Les emballages sont conçus de manière... Ils ne devraient pas finir dans des décharges. Un emballage a une grande valeur, ça crée des emplois,
Et ça mérite de revenir dans l'économie et de redevenir un emballage. Donc, vraiment, on célèbre le concept de matériel ou d'emballage réutilisable ou récupérable. Parfois, on fait face à un problème d'éducation avec le public parce que les gens veulent quelque chose de biodégradable, quelque chose qui ne va pas finir dans l'environnement, dans la nature. Et ce qu'on s'est rendu compte dans le marché, c'est qu'il y avait beaucoup de greenwashing, comme on dit. Les gens sont mal informés au niveau des produits qu'ils achètent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec leurs emballages une fois que leur emballage a été jeté. Et souvent, c'est vraiment une manière... En fait, les gens demandent quelque chose de biodégradable, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que ça entend. Donc, au niveau des emballages, vraiment, on sait qu'un emballage biodégradable, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être biodégradable, ça peut se détériorer sous des conditions particulières, mais une fois que c'est jeté, il y a de très faibles chances que cet emballage soit ensuite transmis à la bonne installation pour qu'il puisse bien se dégrader. Donc, ce qui se passe en général, ces produits ne peuvent pas être recyclés parce qu'ils viennent d'un bioplastique biodégradable. Il ne peut pas être mis au compost. Et donc, il finit dans une décharge. Donc, on essaie vraiment de sensibiliser, d'éduquer les consommateurs pour qu'ils puissent comprendre l'emballage qu'ils achètent, comprendre l'emballage lié à ce produit, afin qu'ils puissent ensuite prendre des décisions plus informées. Merci beaucoup, Murray. On a beaucoup de questions. C'est un peu comme Chris, un peu, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ces emballages? Donc, vous nous avez vraiment donné un aperçu ou une vision d'un problème énorme. Parfois, on se dit, bah, ça va, l'emballage est biodégradable, mais on n'a pas forcément une compréhension complète de qu'est-ce que ça signifie de recycler ce type d'emballage, etc. Qu'est-ce que ça signifie de le réintégrer dans la chaîne des valeurs. Donc, ma question pour vous, en fait, je voulais en entendre plus concernant Virus Solution. Où est-ce que vous en êtes par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez eu des changements? Est-ce que vous avez incorporé d'autres choses dans votre modèle également pour répondre à ces challenges si énormes auxquels on n'a pas forcément la réponse? Alors, on s'est vraiment focalisé sur la sensibilisation et l'éducation. On essaye vraiment de faire en sorte que nos clients deviennent des influenceurs pour transmettre ce message au public. Un des projets qu'on faisait dans l'incubateur, on utilisait une machine inversée, un distributeur automatique inversé. Donc, imaginez, comme un distributeur automatique, vous choisissez quelque chose, vous mettez des pièces et le produit sort. Imaginez l'inverse, vous rentrez le produit et ça vous donne de l'argent. Donc, en fait, ça encourage vraiment un changement de comportement chez les consommateurs. Et vous savez que les gens aiment beaucoup parler, mais parfois, pour faire les choses, on a besoin de plus de motivation. Et changer quelque chose dans son comportement, parfois, c'est compliqué. Donc, on a fait un partenariat avec un producteur de jus qui s'appelle Nourished au Cap. On a fait tous les emballages pour donc, ce producteur de jus et on a fait en sorte que tous ces emballages soient accessibles à la machine. Donc, on avait leur bouteille de jus de fruits, gobelets de café, etc., tout ce qui pouvait être récupéré passait par la machine. Et au cours des 12 derniers mois, au total, on a permis d'empêcher à plus de 24 000 emballages d'aller dans des décharges. La plupart étaient vraiment des
produits plastiques de haute valeur qu'on a pu réintégrer dans l'économie pour faire des bouteilles en plastique recyclées qui sont à nouveau en magasin. Donc, on est vraiment très fiers de ce à quoi on est parvenu. J'ai un autre projet. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler un petit peu. 2 minutes, vous avez. Allez-y. Ah, c'est trop long. Je prendrai trop de temps. Pas de problème alors. Quelque chose que je souhaitais mentionner par rapport à ce que vous avez dit. Donc, cette idée de travailler dans une activité circulaire par rapport à une économie linéaire, l'approche que vous avez prise est très intéressante. On voit ça dans le modèle de Himkar également. On a beaucoup de travail à faire au niveau de la création de la connaissance. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Si on regarde sa page Instagram, on voit que vous enseignez vos processus et l'économie circulaire. Et c'est très important parce que les gens à qui on fournit des services ou des produits n'ont pas forcément une compréhension de ce qui se passe derrière cela. Et faire ce travail pour éduquer les gens, ça aide vraiment votre entreprise, mais ça permet également de créer un effet boule de neige. Donc, les gens vont savoir ce qui se passe et vont en savoir plus sur votre service. Ils savent que vous avez créé un système dans lequel vous créez un produit qui peut être renvoyé, etc. Donc, c'est déjà très important. Et je vous remercie. On a vraiment hâte de continuer et de voir comment se portera Vero Solution. Je voudrais maintenant, brièvement, n'hésitez pas à transmettre vos idées dans le chat. Je voulais maintenant passer à notre dernier entrepreneur qui n'a pas pu nous rejoindre. Trini Bottas qui n'a pas pu nous rejoindre, mais qui a partagé une vidéo sur la démarche par laquelle elle est passée avec le programme d'incubation. Donc, une fois qu'on aura, après avoir terminé le programme, elle a présenté son entreprise au Sommet de l'innovation d'Afrique du Sud et a gagné un voyage en Finlande lors d'un événement où les entrepreneurs pouvaient partager leur expérience, etc. Donc, je vais maintenant vous montrer sa vidéo. Alors, on a des pénuries de miel et si on n'a plus d'abeilles, ça aura un impact sur notre nourriture. On travaille donc pour développer l'apiculture à petite échelle. Un des problèmes de l'Afrique du Sud et de l'Afrique, c'est qu'on a des terres disponibles, mais les apiculteurs n'ont pas forcément les compétences nécessaires. Donc, on a regardé ça en termes de manque d'accès à des finances, à des équipements, à des formations. Et l'aspect le plus important, c'était l'accès au marché également. Les opportunités sont là. Et il y a des synergies à créer avec des partenaires dans l'agriculture. Le modèle de Man2Be est facile. On donne 50 ruches aux apiculteurs, on leur donne l'équipement nécessaire. Et on aide à mettre à l'échelle les entreprises. On récolte le miel, on le met en bouteille. On étiquette les bouteilles, on les met sur le marché. Man2Be vise à réduire le déclin dans la population des abeilles et permet aux apiculteurs de devenir indépendants. Je voulais mentionner le fait que les apiculteurs ne travaillent pas pour Man2Be, mais on est vraiment en partenariat. Et je voulais saisir l'opportunité de remercier East Africa
Ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux et j'ai pu vraiment comprendre l'économie circulaire. Faire ce cours, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la question des abeilles et l'apiculture et le processus à suivre. Et je voulais remercier Ekla pour m'avoir désignée pour vraiment assister à ce sommet de l'innovation en Finlande. C'était vraiment une formidable opportunité et j'ai gagné ce prix pour aller en Finlande. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont permis d'aller aussi là-bas en Finlande. J'aimerais donner quelques informations, quelques retours de Slash. Bien sûr, en Finlande, il faisait froid. C'était vraiment un autre climat qu'en Afrique du Sud. Il y avait du soleil, mais il faisait très, très froid. Ensuite, il a neigé. Nous étions comme des enfants dans la neige. Revenons à notre programme. Nous avons été avec la Zambie. Nous sommes allés dans deux universités et nous avons vraiment vu que l'entrepreneuriat en Finlande est très différent. Les universités soutiennent l'entrepreneuriat. Ils respectent vraiment au travers des universités l'entrepreneuriat. Les universités vous aident à développer vos projets, vos produits, vos marchés, à aller sur le marché. C'était vraiment une expérience absolument incroyable pour moi. Alors, je voulais mentionner également que Slash est que toutes les personnes ont été impliquées. Ce sont tous des bénévoles dans ce projet. Les personnes doivent s'inscrire pour devenir bénévoles. Donc, si vous voulez aller là-bas à Slash, alors inscrivez-vous. Je crois que c'est vraiment super de pouvoir participer à cela. Première fois où je suis allée à Slash, ça m'a vraiment bouleversée. C'était en même temps un peu impressionnant, 12 000 personnes. Il faisait vraiment sombre dans la salle, mais la musique, l'atmosphère était absolument formidable. 12 000 personnes sous un seul toit, donc des financeurs, fondateurs potentiels. Si vous voulez y aller, je vous dirais vraiment, allez-y, préparez. Malheureusement, je n'étais pas aussi préparée moi-même. Mais bien sûr, on apprend beaucoup de choses. Vous devez savoir ce que vous cherchez quand vous allez rencontrer ces personnes, ces financeurs. Il faut vous préparer à cela. Vous devez bien sûr être à l'heure pour chacune des réunions. Les intervenants sont absolument incroyables. Ils ont beaucoup de connaissances. Si vous pouvez simplement saisir quelque chose, ça vaut la peine de prendre quelque chose, d'écouter, de vous asseoir là, écouter ce que ces personnes qui sont dans les affaires, qui financent des projets, peuvent dire. C'est vraiment intéressant. C'est avec cela que je suis rentrée vraiment pour ma part. Un des intervenants qui m'a vraiment frappé le plus. Je n'étais pas très contente au début, je ne savais pas où trouver des conseils, à qui parler, etc. Mais la personne a parlé de cela, des fiches d'horaires. Donc, si vous avez des difficultés, gardez en esprit que vous suivez vos rêves et n'abandonnez pas vos rêves à cause de l'argent. Vous verrez que les bonnes personnes arriveront au bon moment. J'aimerais vraiment y retourner, mais je vous encourage à y aller également. Je veux mentionner également qu'un des points forts pour moi, c'est lors des visites du matin, de pouvoir aller dans une des entreprises qui fabriquent du miel. J'ai fait beaucoup de recherches pour voir comment cultiver et récolter le miel.
C'était à 1 heure de route de Helsinki. Nous avons passé la journée avec eux. Nous avons vu comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. C'était quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vu. Et nous avons pris vraiment note de ce qu'ils font. Nous avons vu comment ils fonctionnent avec des camions pour la récolte du miel et nous avons été les premiers à faire la même chose. Ça a été vraiment incroyable. Est-ce que je vais y retourner? Oui, absolument. Est-ce que j'encourage les personnes à faire la même chose, à suivre le cours en économie circulaire? Oui, absolument. Faites-le. Si je pouvais le refaire, eh bien, je le referais. Ça a été une expérience absolument incroyable. Merci à tous. Tous ceux qui ont été avec nous, mes partenaires qui nous ont accompagnés en Finlande. Merci, 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 merci à tous. Ça valait vraiment la peine. C'était une expérience que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Et bénédiction à tous. Merci beaucoup. Yes, so that was Drini, one of the entrepreneurs who. Voilà, donc une des entrepreneurs qui a fait ce voyage avec nous. Même si elle n'est pas là pour partager aujourd'hui avec nous, mais je pense que des choses qu'elle a dites un peu différentes de ce que nous avons entendu jusque-là aujourd'hui, mais qui s'alignent totalement à l'importance de saisir toutes les occasions qui se présentent, mais d'être également préparé en avance pour tirer la meilleure partie de ces choses, pour pas simplement suivre ce programme, mais de pouvoir se connecter avec des personnes, mais pouvoir tirer parti également de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous pouvez apprendre pour d'être vraiment à l'écoute, à l'affût des différentes opportunités qui se présentent. Alors à présent, j'aimerais inviter notre prochain intervenant qui va nous donner un autre point de vue, qui a suivi un autre programme, un programme différent, mais qui a également une entreprise dont nous aimerions vraiment entendre parler. Merci. Alors, présentez-vous, dites ce que vous faites et comment vous avez réussi à développer votre programme, votre entreprise. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité avec de tels entrepreneurs formidables. J'ai également mon histoire qui a commencé en 2017 lorsque nous avions une sécheresse assez terrible, souvenez-vous peut-être à Cape Town, où nous n'avions plus d'eau pratiquement dans les robinets. Il fallait venir au robinet public pour avoir de l'eau. Et je me suis dit que si les choses devaient s'empirer à l'avenir, j'ai décidé donc de quitter mon travail et de suivre une formation en Allemagne sur la gestion. Je suis restée en Allemagne pendant 5 ans. Ensuite, je suis partie pour 5 mois au Vietnam. Et ensuite, je suis allée en Jordanie pour 5 mois également. C'est vraiment pour essayer d'avoir les perspectives les plus larges possibles pour trouver des solutions. Le problème que j'ai découvert là-bas, c'est que 60% manque des matières organiques. Donc, les matières organiques sont comme des éponges qui rentrent dans le système. J'ai compris qu'il nous fallait remettre la matière organique dans le sol. Et nous avons la chance d'avoir cela en abondance et de pouvoir générer et mettre dans le sol les déchets organiques alimentaires. Donc, j'ai développé ce modèle pour utiliser les détritus alimentaires pour avoir du compost et avec ce compost, de le réutiliser pour faire croître des productions et l'utiliser dans le jardin. Et ça coûte environ 11 dollars par mois pour avoir ce service. Et ça ressemble à ceci. Ce sont des poubelles ou des containers de compost qui permettent de faire la séparation entre les différents aliments. Et vous avez également des systèmes qui empêchent les mauvaises odeurs de se répandre. C'est souvent un problème lorsqu'on parle de l'alimentation. Vous permettez aussi à l'oxygène de rentrer pour éviter les mauvaises odeurs.
Nous avons un jour de collecte. Les personnes peuvent y mettre leurs déchets alimentaires. Voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas trop pourri, hein. C'est assez frais finalement. Mais ce sont à peu près 7 jours de collecte, équivaut à 7 jours de collecte. C'est donc important de le faire au moins une fois par semaine, plutôt que de jeter ces choses dans les poubelles. On collecte ces déchets une fois par semaine. Ensuite, on les fait passer par un processus de compost. Vous avez des petits vers qui aiment beaucoup manger des déchets organiques. Vous verrez qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup dans votre jardin, mais vous en trouverez beaucoup dans les forêts. Il y a beaucoup de déchets organiques qui tombent des arbres, des pins, etc. Donc, nous collectons ce compost, nous le redonnons aux personnes dans ces bacs. La personne prend environ 2 kg de compost et laisse le reste à environ 2 kg de compost par mois. Quand j'ai commencé cette entreprise, il n'y avait pas vraiment d'études pour que je pouvais utiliser pour faire le suivi. Ce que j'ai trouvé, c'était une compagnie de recyclage. Mais les personnes de cette entreprise fonctionnent avec une souscription mensuelle, mais ils sont sujets aux fluctuations de prix. Donc, ils ont vraiment eu du mal à mettre en place ce programme. Donc, j'ai dû trouver une solution. C'est pourquoi nous avons commencé à vendre des produits. Donc, maintenant, les personnes achètent, non seulement collectent le compost, mais achètent également des produits. Ça, c'est une autre quantité de compost pour des surfaces plus larges. Cela a permis également d'élargir les revenus et de rendre l'entreprise beaucoup plus durable. Vous voyez ici que dans la première année, nous n'avions pas de financement. Nous avons commencé directement avec les clients. Nous avons fait environ 3 000 $ de revenus, de recettes. Ça paraissait très petit, mais c'était finalement pas mal quand même, puisque nous n'avions pas de dépenses. Donc, c'était pour nous bénéfique. Ensuite, dans la deuxième année, nous avons commencé à avoir des recettes plus conséquentes. Nous en avons parlé, ça a été mentionné dans les réseaux sociaux. Les gens commencent à entendre parler de nous. À la troisième année, nous avons commencé d'avoir des marges. Entre l'année 2 et l'année 3, il y a eu beaucoup de progrès. Et puis l'an dernier, l'année numéro 4, nous avons fait plus de 166 000 de recettes. Cette année, nous pensons avoir encore des recettes qui vont à peu près se maintenir. Mais nous voulons encore augmenter nos profits, nos marges. Nous voulons vendre de nouveaux produits. Donc, c'est l'année de digestion. C'est comme ça que je l'appelle. C'est une année un peu de transition. Il y a beaucoup de défis quand vous lancez votre entreprise. Ça prend du temps. Pour le moment, j'apprécie beaucoup, mais vous verrez que l'année prochaine, encore, nous aurons d'autres avancées. Mais bien sûr, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai été très, très bien entourée, très bien conseillée. J'étais beaucoup sur LinkedIn. Je demandais souvent aux gens, que pensez-vous de cela, de ce projet? Que feriez-vous dans tel cas? C'est vraiment un très bon conseil. Vraiment, utilisez ce genre de plateforme et restez en contact avec moi également. Voilà, merci Jokodou et je suis là pour les questions. Merci vraiment d'avoir parlé, Imkar, de la manière dont vous avez développé cette communauté pour parler du travail que vous faites. Et ça va très bien avec la question que je voulais vous poser, notamment d'avoir une économie circulaire. Comment le faire? Est-ce que tu pourrais partager un petit peu avec nous les différents défis que tu as rencontrés? Alors, quand nous rendons le compost aux consommateurs, j'ai trouvé des cas d'études
J'ai vu que des entreprises lançaient ou jetaient dans la rivière ou dans la mer leurs déchets. Donc, les gens ne faisaient plus confiance vraiment au système. Mais si nous, nous rendons quelque chose aux gens, eh bien, nous prouvons que, par exemple, nous avons recyclé leurs aliments et ils sont prêts à payer pour ça. Donc, nous devons leur apporter des garanties. Il y a des solutions qui peuvent résoudre les problèmes. J'ai également découvert que lorsque vous regardez de près ces entreprises, les gens veulent exactement que vous fassiez les choses de manière exacte, que vous fassiez les choses de la manière la plus durable possible au monde, etc. Mais lorsque les gens vont à la banque, ils ne posent pas ce genre de questions. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi vraiment. C'est beaucoup plus difficile, en fait, dans l'économie circulaire, parce que les attentes sont très, très élevées. Les exigences sont très élevées. Donc, ça dépend de la manière dont vous développez votre entreprise. Pour nous, c'est de faire circuler la nature. Donc, on ne s'inquiète pas forcément de rendre le travail circulaire. Ça l'est déjà. Il nous faut simplement développer cette entreprise. Et c'est là où peut-être l'impact a échoué. Nous ne sommes pas là pour faire forcément de l'argent. Nous le faisons directement par l'entreprise. Nous voulons encourager les entrepreneurs à voir les choses sous cet angle-là. C'est-à-dire, si vous voulez développer une entreprise avec beaucoup de potentiel, vous le faites ainsi. Merci beaucoup. J'espère que certains entrepreneurs ici qui ont pu vraiment saisir ce que vous avez dit. Et il y a quelques commentaires dans le chat, notamment concernant la confiance avec quelque chose qui n'est pas forcément toujours très estimé. Effectivement, c'est un modèle que vous avez développé qui est très, très intéressant. Nous sommes ravis de pouvoir continuer avec vous et de suivre votre travail et de pouvoir continuer de nouer des contacts avec les personnes au sein de la communauté pour les informer de ce que vous faites et de la manière dont vous développez vos processus. Merci beaucoup encore une fois, Imkar. Et merci à tous nos entrepreneurs qui ont partagé donc leur expérience. Il y a des questions à présent, mais j'aimerais aussi donner la parole à deux personnes qui ne sont pas directement entrepreneurs, mais qui travaillent avec des entrepreneurs. Joanna et Catherine. Nous voulons parler un petit peu de ce que vous faites et en quoi vous êtes impliquée avec les différentes petites et moyennes entreprises. J'avais plein de questions que j'avais préparées, mais je veux vraiment parler des entrepreneurs. C'est tellement fascinant d'entendre tout ce que les gens ont partagé, tout ce que le monde fait. Nous sommes vraiment poussés par l'idée que nous ne pouvons pas attendre que ce soit les gouvernements qui changent les choses et que nous devons soutenir ceux qui changent vraiment les choses. Nous voyons des activités incroyables qui ont été lancées par des entrepreneurs qui cherchent à avoir des solutions adaptées dans leur contexte. Nous avons différents programmes au Ghana notamment, des programmes de 6 mois, pour aider les personnes. Et nous avons également des programmes de subvention. L'interprète s'excuse, mais l'intervenante parle beaucoup trop vite. Je lui envoie un message pour pouvoir continuer de traduire. Merci. Donc, ça a été formidable de pouvoir participer à certains programmes. Ce qui est important pour nous, c'est de l'inclusion. Nous avons un programme pour les petites et moyennes entreprises, les PME. Lorsque nous parlons de circularité, nous voulons embarquer toutes les personnes, nous voulons informer les PME des pratiques et des programmes qui existent. C'est quelque chose que nous avons fait, donc. Une autre chose, c'est concernant l'inspiration et des plateformes. Nous avons environ 500 études de cas dans le continent, sur tout le continent. C'est très important de savoir combien il y a d'initiatives et combien de travail se fait.
pour que les gens se sentent inspirés et ne abandonnent pas lorsqu'ils voient d'autres personnes qui sont dans les mêmes contextes qu'eux et qui ont réussi. Souvent, les personnes se réfèrent à Steve Jobs ou à Elon Musk, mais ce ne sont pas forcément les bonnes références. Il y a des références qui sont beaucoup plus proches d'eux, des entrepreneurs avec qui ils peuvent s'identifier. Nous espérons pouvoir développer d'autres plateformes pour être une source d'inspiration pour les autres, pour qu'ils puissent continuer sur les mêmes lignes. Nous avons parlé des secteurs particuliers, comment adapter des choses au contexte africain et adapter des pratiques. Récemment, nous avons également parlé l'économie circulaire, c'est un grand mot. Il y a des entrepreneurs qui font vraiment le travail pour faire la différence, qui font les choses différemment. Il y a beaucoup d'attentes et d'exigences vis-à-vis des entrepreneurs. Donc, lorsque ils voient des gens qui donnent l'impression qu'ils font quelque chose alors que ce n'est pas vrai, ils sont vraiment frustrés. Donc, nous aidons les entrepreneurs pour identifier l'impact de notre modèle et pourquoi c'est mieux que les autres modèles. Nous avons plusieurs projets en ce moment. Voilà, ce sont différents projets sur lesquels nous travaillons. J'aime l'idée que vous ayez parlé du fait que l'économie circulaire est perçue dans le monde séculier. Il y a beaucoup d'entreprises qui parlent d'économie circulaire, mais tout le monde ne le fait pas vraiment. Donc, il y a des défis qui vont avec. C'est assez difficile. Je ne sais pas si vous avez la réponse à toutes ces questions. Comment vraiment réduire cet écart pour que les entreprises ne soient pas forcément dépendantes? Because one thing that we are seeing is that struggle between trying to. Une chose que nous voyons régulièrement, c'est d'avoir des modèles qui soient durables. L'interprète s'excuse, mais les intervenants parlent beaucoup trop vite. Est-ce que c'était une question? C'est une question, un commentaire, j'imagine. I can see the interpreter asking me to slow down. OK, je vois un message. Il faut parler plus doucement. Alors, ce qui est important ici, c'est ce que Catherine a parlé, c'est des mesures. Comment mesurer l'économie circulaire? Comment prouver que des entreprises sont vraiment dans l'économie circulaire et sont en même temps rentables? Comment le mesurer? Alors, peut-être que je peux répondre à cela, ce n'est pas vraiment la meilleure diapo, mais c'est au moins visuel pour répondre à cela, pour montrer un petit peu les processus. Alors, nous avons regardé différents angles d'approche, différentes activités de mesure. Et la réalité, et donc, nous devons rencontrer les entreprises là où elles sont. Nous devons comprendre ce qu'elles font, ce que sont leurs objectifs, ce qu'elles veulent faire avec les données. C'est aussi très important. C'est important de définir également le périmètre. C'est facile de vouloir tout faire. Nous collectons les données, nous travaillons avec ce que nous avons, avec nos ressources. Nous regardons les stratégies d'économie circulaire. Parfois, nous travaillons avec des entrepreneurs qui développent des lumières solaires, d'énergie solaire, avec du matériel recyclé. Mais l'impact, ils n'ont pas pu vraiment utiliser des matériaux recyclés.
pour réduire l'impact des émissions. Donc, il faut trouver d'autres solutions, des alternatives pour utiliser certains matériaux. Certains ne sont pas encore forcément recyclables ou recyclés. Voilà, ça, c'est une idée. C'est le genre de choses que nous faisons, les processus que nous faisons. Alors, l'autre chose, c'est la communication. C'est très important. Les entrepreneurs ont cette information, mais ensuite, comment utiliser l'information? Comment s'engager avec les acteurs, les parties prenantes pour vérifier que ce qu'ils font est mieux que les autres alternatives? Donc, nous leur enseignons, nous leur apprenons comment communiquer de sorte à mettre en avant les bonnes choses qu'ils font. Sarah qui dit également dans le chat qu'on ne peut pas gérer quelque chose que vous n'avez pas mesuré. Elle marque également que le compost est quelque chose de très tangible. On peut vraiment calculer le poids de déchets que vous pouvez traiter par mois. Ça, c'est quelque chose de pratique et de concret. Donc, essayer de quantifier les choses, c'est très important. Comment ensuite communiquer sur ces choses pour inclure cela dans les processus? Est-ce qu'on peut à présent demander à notre dernière panéliste, Catherine Weinberg, de prendre la parole et partager avec nous ce que vous faites? Et comment vous êtes engagé avec les PME? Merci, Jokudu. Oui, c'est très intéressant. Très intéressant. Je vais partager quelques planches. Je vais simplement aller assez vite. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super, très bien. Voilà, c'est l'entreprise Fetola. Ce que nous faisons, c'est de rendre le monde meilleur pour tous et pouvoir avoir un business qui puisse être durable. Nous focalisons sur les accélérateurs qui sont en Afrique pour le moment. Nous en avons environ 6 et donc l'économie circulaire. Juste pour vous donner un peu de contexte, j'aime vraiment les narratives qui sont très importantes. J'ai connu le développement durable il y a environ 10 ans, lorsque le président Zuma voulait créer de nouveaux emplois, jusqu'à ce que je réalise moi-même que si nous aidons les gens à créer des emplois et qu'ils deviennent maintenant des personnes des classes moyennes, et bien il y aura plus de monde qui vont générer de la pollution parce qu'il y aura plus de voitures, etc., etc. Je réalisais que je créais quelque chose dans lequel je ne croyais pas vraiment. C'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait une opportunité fantastique. Si on aide les entreprises à être beaucoup plus durables, eh bien, vous allez aider les gens à sortir de la pauvreté, mais en même temps, vous allez le faire d'une manière durable. Donc, nous avons développer deux accélérateurs de développement durable, mais c'est vraiment lorsque nous avons compris la circularité que les choses ont commencé à avancer très vite à cause de ce concept de circularité qui donne sens, qui fait sens, le fait de ne pas gaspiller. C'est quelque chose de basique qu'il faut comprendre. Donc, c'est beaucoup plus simple ensuite de mobiliser, de motiver des entrepreneurs. Il y a plus d'enthousiasme des entreprises également, beaucoup plus que dans le passé, j'ai remarqué. Pour le moment, nous avons 4 composantes sur lesquelles nous travaillons, donc le CEA, l'accélérateur d'économie circulaire. Nous avons 100 d'entrepreneurs impliqués dans ce projet de CEA et ça marche très bien. Nous avons également un accélérateur CEA Kula. C'est un programme pour aider toutes les entreprises qui veulent vraiment augmenter leur échelle de circularité.
pour les aider à aller de l'avant. Ensuite, le Green Text Exchange. What I love about Circularity, it's all about une plateforme collaborative pour échanger les ressources. Ce que j'aime dans cela, c'est la collaboration. Ça, c'est une chose qui est importante. Comme parler notamment des outils de mesure et de rendre GTEx accessible de la même manière. Et dernière composante, c'est le YBI, le Youth Business International, pour les jeunes entrepreneurs. C'est un boîte à outils pour le développement durable avec les jeunes. Donc, c'est différents projets qui sont en train d'être lancés ou en pré-lancement. Alors, voici quelques résultats. Nous sommes spécialistes des croissances plus lentes pour aider les personnes à devenir viables dans leurs entreprises. En Afrique du Sud, nous avons beaucoup de chômage. C'est donc important de créer des emplois pour le bénéfice social. Et lorsque vous arrivez à rendre les choses et circulaires et durables, et bien là, vous avez vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, dans ces programmes, qui sont des programmes de 6 mois, avec CEA, nous avons vu des résultats très tangibles, des améliorations dans la croissance des revenus également. C'est important aussi, nous avons beaucoup parlé dans la session d'être pleinement circulaire et je crois que ceux qui tendent à la circularité sont mieux que ceux qui ne font rien du tout, même si ça n'est pas encore à 100%. Nous sommes dans une accélération. Nous voulons voir une amélioration à 100%. Donc, tous ceux qui s'impliquent dans la circularité apportent vraiment le changement. Ils font la différence. Je vais vous donner un exemple. C'est Trudy McKenzie qui travaille avec nous, qui fabriquait des meubles à partir du plastique. Et dans ce programme, elle a réalisé qu'elle pouvait tout à fait se débarrasser de tous les déchets pour les recycler, pour faire d'autres choses. Ensuite, elle a lancé un produit de réparation, c'est-à-dire qu'elle répare aussi des biens, des produits. Elle fait beaucoup de travail pour réparer certains produits importés de la Chine. Elle est responsable également de la production, mais également de l'élargissement des cycles de vie par la réparation. Elle a fait vraiment de très, très belles choses. Je sais qu'il a été question d'accéder, la difficulté d'accéder au financement. Alors, ce que nous avons découvert avec la circularité, ce sont les 5 défis principaux. Le premier, c'est l'accès au financement. 3% du financement vert, des fonds verts, est disponible en Afrique. But as we know, de toute façon, il y a moins de financement vert, mais comme nous le savons, même les investisseurs n'aiment pas forcément parce qu'il y a beaucoup de risques. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ils les perçoivent vraiment comme des risques supplémentaires. Donc, nous avons des fonds particulièrement conçus pour la circularité. Nous travaillons pour développer et accéder à d'autres fonds. Je pense que beaucoup luttent avec cela. Ensuite, c'est l'accès au marché et le plaidoyer pour aider les clients à comprendre l'importance du marché et des tarifs en Afrique du Sud, notamment. Il y a des abattements TVA. C'est important d'aider les entrepreneurs à être efficaces, à faire des économies, à réduire la production, les coûts de productivité pour qu'ils puissent être compétitifs. Ensuite, un autre point, un autre défi, c'est la législation en Afrique du Sud, c'est un problème. Donc, j'encourage vraiment les gouvernements à faire des progrès sur les législations en matière de réduction d'émissions de CO2. Je voulais simplement
partager avec vous les 5 défis principaux que nous avons rencontrés. Et je pense que ça s'arrête là pour ma part. Merci beaucoup, Catherine. J'ai aimé ce qui a été dit concernant l'enthousiasme que l'on voit à présent comparé à ce qui était auparavant, notamment sur l'acceptation de l'économie circulaire. Et je pense que ça rejoint les discussions que nous avons eues dans la manière dont les entreprises se préparent pour saisir ces opportunités. Comme on l'a entendu tout à l'heure avec l'expérience de Slash, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas forcément préparée à ce voyage, mais que cela ne soit pas forcément un obstacle pour continuer de saisir les opportunités. Ce que nous avons vu aussi dans le chat, Sarah a partagé là-dessus. Elle a parlé, excusez-moi, je dois trouver cela, oui. On ne peut pas forcément mesurer quelque chose que vous ne gérez pas, plutôt vous ne pouvez pas gérer quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer, et l'importance d'aider les entreprises à mesurer leur circularité, leur impact. Ce que vous avez dit est important. Comment veiller à ce que les entreprises sont préparées à saisir de telles opportunités, en particulier dans un environnement. Désolée de vous interrompre, je pense que c'est très important. C'est une partie importante de ce que nous faisons, c'est d'aider les entreprises à mesurer et à articuler la valeur de la circularité, parce que ça devient une valeur ajoutée. Sinon, vous n'êtes une autre entreprise qui cherche des accès au marché, des financements. Donc, c'est important pour les entreprises qui deviennent circulaires, de leur dire, voilà, comment mesurer l'impact, comment traduisez-vous cela? Comment est-ce que vous le traduisez en monnaie de circularité? Comment rendre visible votre devise de circularité ou d'investissement? C'est important d'avoir des outils faciles d'utilisation. Souvent, les petites entreprises ne comprennent pas bien. C'est simple and easy like that, but other Sarah times, qui l'a mentionné tout à l'heure. But it is certainly if you're going to put yourself, if you're going to make yourself investment ready and be able to access the kind of growth finance that you need, being able to explain. Donc, si nous arrivons, excusez-moi. Il est important de pouvoir évaluer votre circularité et la traduire en monnaie, si vous voulez. Très bien, je voulais juste voir si Johanna avait quelque chose d'autre à dire. Je vois que vous vouliez contacter Catherine, mais pour les entrepreneurs, si jamais quelqu'un a quelque chose à contribuer, on prendra vos dernières réflexions. Oui, donc on aime beaucoup collaborer avec Catherine, on a beaucoup appris l'une de l'autre et on continue à avancer malgré les défis. On continue vraiment à s'encourager mutuellement. Et une chose qui était fantastique avec le programme, c'était vraiment apprendre des pairs. Il ne faut pas sous-estimer à quel point on peut apprendre les uns des autres en tant qu'entrepreneur. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait présenter, parce que parfois, on ne se rend pas compte que les gens au sein de notre réseau ont vraiment beaucoup à nous apprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner. J'espère que les entrepreneurs et les autres ont conscience dans le fait que les autres personnes dans leur réseau peuvent contribuer. Je suis tout à fait d'accord, Johanna. On dit parfois qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans un groupe plutôt que au niveau de la personne qui donne le cours. Donc, on a passé beaucoup de temps à avoir des discussions entre pairs parce que ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. On n'a toujours pas eu de mariage entre des gens qui se sont rencontrés dans notre programme. Ça fait maintenant plus de 15 ans, donc on devrait non seulement avoir des mariages, mais également des enfants. Ah, c'est un programme de rencontre, alors. Oui, oui. On vous invite à nous rejoindre. Non, fantastique, merci beaucoup. Juste pour rajouter
quelque chose là-dessus. Donc, construire une communauté, ça permet également de créer un espace pour que d'autres acteurs puissent nous rejoindre et partager leurs connaissances. Donc, parfois, il y a des voix qui ont été oubliées qui peuvent vraiment contribuer à la discussion. Catherine, on en revient à ce que vous avez dit à la fin de votre présentation. Comment est-ce que les gouvernements locaux peuvent vraiment être intégrés et créer ces environnements favorables? Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre les entreprises? Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer? Quel genre d'incentives est-ce qu'ils ont qui permettraient de créer des espaces pour permettre à ces entreprises de fleurir? Je peux juste reprendre la parole brièvement. Mon exemple suivant était de quelqu'un qui utilisait des déchets pour les réutiliser dans l'agriculture. Et en fait, un de ses problèmes principaux, c'est de travailler avec les municipalités. Donc peut-être que vous pourriez nous aider en créant une sorte de modèle, des lignes directrices pour que cette personne n'ait pas à passer des mois et des mois juste pour initier un projet, parce que son défi principal, c'est contacter avec la municipalité. C'est là où vous pourriez avoir une position qui nous aiderait. Oui, je vais mettre ça dans ma liste de où agir. Donc voilà, je voulais vous remercier. Merci à toutes pour toutes vos contributions. On n'aura pas le temps de faire un dernier tour de table, mais j'ai vraiment apprécié la discussion qui a eu lieu dans le chat. Toutes vos contributions très pertinentes. Donc, pour moi, ce n'est pas la fin de la discussion. Le réseautage doit continuer en dehors de cet espace. Donc, j'ai vraiment hâte de poursuivre et d'avoir d'autres séances comme celle-ci pour vraiment continuer la discussion à l'avenir. Voilà, un grand merci à Catherine, à Johanna. Merci pour votre perspective d'un point de vue d'une organisation qui soutient les PME. Merci aux nos entrepreneurs. Merci pour cet exemple de mise à l'échelle d'une entreprise. Merci à Chris d'avoir documenté en fait toute cette démarche et de nous avoir présenté les entrepreneurs. Elle a pu vraiment capturer toutes leurs histoires. Et un grand merci également aux entrepreneurs qui ont pu nous joindre aujourd'hui. Merci à Swangile, merci Malongam. Merci à toutes ceux et celles qui nous ont rejoints par vidéo. Alors, ce n'est pas la fin de Rise Africa. Si vous êtes disponible, rejoignez-nous à 6 heures pour la séance de débriefing. Vous aurez un lien pour la prochaine séance. Ça permettra d'intégrer certaines de ces idées et de nous expliquer ce qui a été source d'inspiration pour vous. Voilà, très bonne fin de journée à vous.